Au moment où le cerf m'a attaqué, je ne m'attendais pas du tout à cela. Il m'a jeté par terre et m'a frappé au visage avec ses sabots. Cet événement m'a terrorisé parce que je regardais dans le viseur et j'étais convaincue que je filmais les derniers instants de la vie de mon mari. Violemment, en pleine figure. Je commençais à m'essouffler et j'arrivais difficilement à le repousser. Quand le cerf s'est dressé sur ses pattes de derrière comme un ours et s'est mis à s'en prendre à Lynn, j'ai cru que son heure était venue. La bête l'a jeté au sol, puis lui a piétiné le visage et le corps.